beauté, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter un nouveau tuto make-up. Donc c'est un tuto dans les tons pardon, mauve avec un petit peu de paillettes. Donc je vais j'ai utilisé la palette Warm Light d'Elsa Makeup pour faire ce tuto. Donc je vais vous présenter les fards que j'ai utilisés. Donc j'ai utilisé le mauve, le vampi et le, alors il s'appelle le star ici, voilà, et un petit peu de caramel aussi. Je vais pas parler dans cette vidéo parce que sinon je me rends compte que je mets 2 semaines à vous poster la vidéo. Je préfère cette fois-ci je vais essayer de vous la faire sans voix off. Donc j'espère que ça vous plaira. De toute manière, je vous montre au fur et à mesure de la vidéo les fards que j'utilise avec le type de pinceau que j'utilise. Je vais tester pour celui-ci, voir si ça vous convient comme ça. Surtout si ça ne vous plaît pas et que vous préférez avoir ma voix en voix off pour vous expliquer vraiment étape par étape, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire. Et la prochaine vidéo, je le ferai avec la voix off. Voilà, bah écoutez, je vous laisse avec donc ce tuto. Je vous montre que les yeux puisque le teint, ça fait partie de ma routine teint, et je vous mettrai le lien de la vidéo routine teint en barre d'infos. Voilà, bah écoutez, je vous laisse tout de suite avec la vidéo et j'espère que le tuto vous plaira. Bisous bisous.
Bah écoutez, ce tuto est terminé. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc il y a deux produits que j'ai utilisés dans ce make-up et que je vous ai jamais parlé de ces produits-là. Donc c'est les deux crayons que j'ai achetés chez Adopt by Réserve Naturelle. Je vous les avais présentés dans mon haul quand j'étais allée chez Paris Nord. Donc le premier c'est I Love My Eyes. Donc c'est une base à paupières sous forme de crayon. Elle est mais magique. Je vous disais dans ma vidéo que j'avais un doute puisque en fait sur ma peau on ne voyait rien. Franchement je ne peux plus m'en passer. Limite elle détrône même la Primer Potion de Urban Decay. Concernant la tenue des paillettes. Parce qu'après pour un make-up où vous avez besoin de dégrader par exemple sur la paupière mobile deux couleurs, elle est pas terrible, mais franchement au niveau tenue avec un make-up pour un make-up avec des paillettes, moi je suis fan de ce crayon là pour à peine 4 € il me semble. Et donc pour les lèvres j'ai utilisé le Lip and Kiss Velvet, pareil toujours de la marque Adopt By Naturelle, Réserve Naturelle, et donc c'est le numéro 4 Nude and Bleached. C'est pareil, j'aime vraiment bien le rendu avec la lumière blanche. Je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est vraiment un make-up pas chargé sur les yeux mais avec des paillettes, et du coup je voulais quelque chose de nude sur mes lèvres, donc je suis assez contente de ce make-up. J'espère que ça vous plaira réellement. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me donner aussi des astuces en commentaire. Et aussi si vous avez des idées de vidéos pour le futur, n'hésitez pas à me le dire. Je me ferai un plaisir de vous les tourner. Bref, voilà. Écoutez, je vous remercie encore pour votre soutien. Et puis je vous dis à très très vite. Gros bisous. Bye.